Salut, salut tout le monde. J'espère que vous me voyez bien. Salut Katon comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Merci de partager. Invitez tout le monde. Euh, il faut taguer euh, la gostina Kofi. Maman Naomi Veté. Euh, les filles de Saïwa, les abeilles. Coucou, salut ces gens. Comment tu vas J'espère que tu vas très bien. Salut toi Li, comment tu vas J'espère que tu vas très très bien. Partagez, partagez la vidéo. Invitez tous les cyberactivistes. Invitez le boni. Invitez tout le monde. On va faire cette vidéo cet après-midi. Commencez déjà à partager. Coucou, 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 coucou. Comment tu vas, Serge? Niago, j'espère que tu vas très bien. Partagez, 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 partagez. J'espère que vous me voyez. Hein? Partagez, 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 partagez. Mettez les cœurs pour votre Lisa quand même. Mettez les cœurs, mettez les cœurs pour votre Lisa. On va faire cette vidéo cet après-midi. Je mets un peu de musique. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. taguer la poste tranquille oui, taguer la gostina kofi taguer les du taguer aïle Kouchen. Écrivez aïle Kouchen. taguer les taguer la soeur, you know la soeur marie jeanne taguer mon ami liloué taguer les on va faire cette petite vidéo en famille je mets un peu de musique Invitez, 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 mettez les cœurs, mettez les cœurs pour booster un peu la vidéo. Pour que l'algorithme soit un peu boosté. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va mettre un peu de musique. Président du nom du Canada, Michel Kanye Mobile Président Éric Mouala Maman Namuka Peta, Yagise Sénateur Paul Nukudil, Serge Tanakimopoulou, Dr Sacha. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, Merci, merci c'est gentil. Partagez, partagez. Merci, ces gens, d'avoir partagé. Merci, Gatono, d'avoir partagé. très gentil. Droit sur cette musique, je n'ai aucun droit. Sur cette musique, coco, salut Paul Roger, ça comment tu vas? Bonsoir, mon frère. J'espère que tu vas bien. Sois béni depuis ta position. Sois béni. Ok, donc euh, je vais commencer la vidéo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur euh, la sur cette chaîne de Lisa Vonta, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous me voyez aussi. J'ai changé un peu de décor aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez aussi très, très, très bien. Alors, euh, je viens faire cette vidéo. Je viens faire cette vidéo. Excusez-moi. Voilà. Je vais faire cette vidéo pour vous donner quelques nouvelles de votre Lisa. Parler aussi de la politique. Je ne vais pas trop parler de la politique aujourd'hui, mais je vais parler de, euh, des cyberactivistes. Euh, depuis un certain moment, depuis, je crois, peut-être euh, deux semaines, y a, avec euh, la formation du nouveau parti de, du président Laurent Gbagbo, nous attendions cette, euh, you know, cette, euh, ce congrès-là. C'est arrivé. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais je vais parler de ça plus tard, c'est-à-dire peut-être dans, dans les jours à venir. Je sors cet après-midi pour parler, pour causer un peu avec vous, mes frères, et je vais m'adresser spécialement aux cyberactivistes de la toile, c'est-à-dire de Facebook, euh, des réseaux sociaux. Je me le permets parce que je me suis moi-même octroyé cette position-là de ministre des Affaires étrangères virtuelles. Ce nom m'a été donné sur YouTube. Et avec, you know, mon anxiété de cyberactiviste, avec l'expérience que j'ai, certaines personnes souvent me... me me donne ce, ce droit-là, c'est-à-dire qu'il me, il me, il me donne ce droit de parler pour eux ou bien de les défendre, etc. etc. Et aussi, je suis l'une des personnes qui avait demandé qu'on forme euh, l'union des cyberactivistes ivoiriens. Et donc, c'est la raison pour laquelle je le fais. Et en tant que cyberactiviste aguerri, en tant que cyberactiviste... Euh, ce mot-là m'échappe. En tant que cyberactiviste, euh, I forgot the I forgot the Mais, surtout, voilà, le mot me vient. En tant que cyberactiviste avéré, je me donne ce droit-là. Et aussi ivoirienne, parlant pour son pays, en tant que combattante, en tant que patriote, en tant que nationaliste, etc. etc. J'ai beaucoup de choses à dire qui ah, concerne la politique, mais actuellement, je me réserve, je réserve mes énergies. On va parler de ça plus tard. Ça, c'est pas, c'est pas problème. On va doucement. Coucou, salut, salut René et ta qui c'est ma, ma, ma grand sœur chérie, ma maman chérie en même temps aussi. Sois la bienvenue, euh, comme de tradition. On se fait des coucou et puis on partage. Merci pour tous les partages, maman. Je te claque de gros gros bisous depuis ta position, depuis les States. Et donc, je rentre dans le vif du sujet. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Il faut savoir que depuis deux semaines, moi, je n'étais pas sur la toile. C'est-à-dire que. Je ne me préoccupais pas trop. Je regardais les vidéos, je les partageais, mais je ne me sentais pas trop bien. Mais néanmoins, ça va mieux. Je suis bien maintenant. Il s'est avéré que j'ai vu des vidéos de certains cyberactivistes qui ont recommencé à se clasher. Nous avions fait une vidéo il y a peut-être le début du mois de octobre. Nous avions vu certains cyberactivistes, comme par exemple Dobo Blé. Non, ce n'est pas Dobo blessé, Dobo, Jean-Luc, Jean Jean-Yves plutôt, qui avait été menacé. Nous avons fait une vidéo et nous avons dit que, que cela ne se répète plus. Nous avons vu les filles de Saïwa aussi qui ont été attaquées. Nous sommes sortis et nous avons mis les points sur les i. Et aussi, la maman d'Egnantine, Armel, nous avons fait des vidéos et je pense que cela s'est arrêté. Et nous voyons que il y a certains activistes qui se... Cognent la tête encore, c'est-à-dire qui font des clashs entre eux. En toute sincérité, moi je ne sais pas par quoi ça a commencé. Je ne sais pas par quoi ça a commencé. Mettez le cœur pour votre Lisa, pour que je suis un peu inspirée. Je ne sais pas par quoi ça a commencé. Mais ils ont recommencé à faire des clashs. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Moi, Lisa, votre soeur, je ne comprends pas quelque chose. Ce que j'ai remarqué sur la toile, lorsque il y a des événements, lorsque les cyberactivistes œuvrent s'active pour que cet événement réussisse ou bien s'il y a un problème d'un politicien que les, les cyberactivistes se mettent à bras le corps pour que cet événement-là arrive, pour que ça soit bien, etc., etc., il y a toujours certains cyberactivistes qui essaient de clasher d'autres, qui essaient de provoquer d'autres. Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui, qu qui vous prend Coucou, salut Bintou. Wantini, ma grande soeur. J'espère que tu vas bien. Gros gros bisous à toi depuis ta position. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi vous vous clashez entre vous comme ça? Et lorsque vous vous clashez là, ce n'est ne pas, pas seulement des clashs. Mes amis, les dieux. Ou encore, et c'était Poutine. Je suis obligée de dire vos noms parce que vous êtes mes frères ivoiriens. Je peux vous parler. Si vous voulez faire des clashs avec votre soeur Agostina Kofi, les clashs, vous pouvez les faire. Mais comment se fait-il que son identité, ou bien si ce n'est pas son identité, son adresse se retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez à quoi vous-même vous, vous vous jouez? Coucou, salut NS. Sois la bienvenue, mon frère. Pourquoi vous révélez l'adresse des cyberactivistes sur les, sur les réseaux sociaux? La dernière fois. Nos amis du RHDP sont allés jusqu'à révéler le passeport biométrique de la guêpe sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est aux gens que vous faites? Vous pensez que c'est à la guêpe que vous faites? Ou bien vous pensez que c'est à la Gostina Kofi que vous faites? En révélant son adresse sur les réseaux sociaux? Mais vous pouvez vous clasher sans révéler les adresses, sans aller dans l'intimité. Ce n'est pas ça la politique. Moi, je ne sais pas comment ça a commencé. Je ne prends pas partie de la Gossner Kofi ou bien des dieux. mais je vous parle en tant que votre sœur pour vous dire attention. Vous allez sur un chemin que vous-même vous ne savez pas s'il y aura un retour. Ce n'est pas bien de faire cela. Si elle-même elle, elle n'est pas venue révéler son adresse sur les réseaux sociaux. En aucun cas, vous qui êtes nos amis, vous qui êtes nos frères, nous qui sommes tous des, 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 dans le même groupe, vous ne pouvez pas venir révéler son adresse sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Vous pouvez vous clasher, ton nez est gros, tu es vilaine, ou bien tu fais des mauvais posts, je ne comprends pas ce que tu dis, tu racontes des choses, mais aller dans l'intimité, c'est trop, les amis. C'est trop. Toujours, c'est moi, Lisa, qui va venir vous dire non, faire ce que, il faut faire ce qu'il faut faire, les amis, quand même. On peut se faire la politique sans être des ennemis. On peut être des adversaires sans être des ennemis, quand même. Vous voulez qu'il y ait la mort dedans encore En révélant son adresse. Et si maintenant, nos adversaires, pour pour de vrai, là s'en vont la guetter et lui faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez dire vous posez des actes, mais vous ne savez pas ces actes-là. Il peut avoir des conséquences irréversibles, quand même. Je ne suis pas venu pour jouer la justicier, mais ce n'est pas normal que vous révélez l'adresse de Lagostina Kofi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas admettre ça. Parce qu'il y va de sa vie. Elle sera en danger. Elle peut être en danger. Et si le pire arrive? C'est bien beau d'être sur le vultier comme ça, là. Mais révéler les adresses des gens, c'est pas bien. Tous les cyberactivistes, je vous ai dit tout que tous les cyberactivistes, vous avez du talent. Ce que vous savez faire de mieux, là, faites-le. Si vous le faites, on va le partager, on va, on va, on va, on va partager, on va partager aux vidéos. Moi, je suis toujours disponible pour tout le monde. Je suis toujours disponible pour vous tous. Mais vos clashs que vous faites avant les événements, moi ça me, ça me travaille, ça me travaille le cerveau, ça me travaille l'esprit. Vous recherchez quoi même Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui ne marche pas Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des exemples en faisant des clashs. En faisant partie des, des partis politiques, vous serez bannis. Tout le temps, vous de faire des clashes. Et c'est vos petites soeurs, c'est vos soeurs qui vont venir vous donner des conseils, quand même. Vous êtes des pères et des mères de famille. Vous pensez qu'on ne vous voit pas, vous qui êtes toujours dans les clashes. On vous voit, on vous regarde. Arrêtez de mettre, d'exposer vos amis cyber-activistes. Qu'est-ce que les internautes disent de nous, les cyber-activistes Que nous sommes divisés, que nous aimons. Mais vous aimez trop parler. Vous aimez tant parler depuis depuis, water là-bas vous ne pouvez pas l'enlever là. Vous savez très bien que le cyberactivisme, tu ne peux pas être seul un seul cyberactiviste. Il faut qu'on aille en groupe, en rang de bataille. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit unis pour que ça marche. Il n'y a pas un cyberactiviste qui est plus fort que son ami. Nous tous on est au même niveau là. Nous tous on se débrouille, nous tous on est en train de lutter. On est dans le même combat pour la souveraineté, pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Comment on fait pour enlever les gens là Birma là, c'est là qu'on vous dit de partir. C'est pas si vos frères s'y si battent, vous allez aller les, révéler leur adresse ou bien faire parler avec eux. Vous n'êtes pas des garçons. Ou bien vous n'êtes pas des femmes. Si vous avez la... Vous pouvez parler, vous pouvez tchatcher là. Faites Birma là, va se fermer. C'est de ça qu'il est question. Si quelqu'un a du succès sur les réseaux sociaux, ça veut dire que si quelqu'un a des vues, sa page est bien vue, elle fait des posts, mais faites aussi la même chose. Soyez créatifs, ça demande seulement de la créativité. C'est tout. Pourquoi il y va encore avoir de l'animosité entre nous les cyberactivistes Qu'est-ce que les internautes vont dire de nous Tout le temps, en train de vous clasher, vous pensez que c'est vous seuls qui avez bouche sale. C'est-à-dire que vous parlez mal. Vous pensez que c'est vous, vous seulement qui êtes allé à l'école de parler mal aux autres. Ou bien de parler mal à vos camarades cyberactivistes. Bouche sale, tout le monde a ça, hein il n'y a pas école pour ça, il n'y a pas de diplôme pour ça. Donc arrêtez de vous arrêtez de, de vous attaquer les uns les autres. Arrêtez d'aller de, de, de tout le temps vous attaquer, de contrecarrer de vous entrechoquer les têtes. J'ai venu encore faire vidéo pour ça. Arrêtez d'attaquer la Kofi. Si elle a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, allez en inbox. Je vous êtes tout d'aller en inbox pour vous expliquer. Mais pas devant les internautes, pas devant les politiciens. Ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Si par exemple, les dieux ont fait quelque chose, allez en inbox avec les dieux et puis parlez ensemble. Et l'adversaire est content. Parce que lui, il adore qu'on s'entrechoque se les têtes. Vous, tout le temps, vous, vous versez notre visa par terre. Tout le temps, vous faites pas Tout le temps, je viens parler à faire toujours. Comme des gamins, comme des enfants. Maintenant, on ne parle même plus de M. Ouattara. On ne parle plus des gens-là. C'est vous-là. On va venir parler, on fait vidéo pour parler de vous encore. Vous cherchez publicité ou bien vous cherchez quoi Vous cherchez publicité ou vous cherchez être star. Mais si tu veux être star, tu peux être star. Tu peux faire les vidéos. C'est seulement qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut faire des vidéos. Il faut être créatif. Ça, ça demande un peu de créativité. Ça ne demande pas la jalousie et la sorcellerie. Ça ne demande pas ça. Tu n'as pas besoin d'aller à ce niveau-là. C'est un peu d'être créatif. Tout, je te dis, de l'Europe, toujours il se clash. non elle habite ici, qu'elle habite dans un pays. Mais si tu habites dans un pays qu'elle n'habite pas, peut-être dans la mer ou bien, je ne sais pas, au ciel, ce n'est pas une bonne chose. Au moins, elle habite quelque part. Tu as besoin de mettre son adresse. Vous avez besoin de mettre son adresse. Vous cherchez quoi même? Si votre étoile ne brille pas, mais faites briller ça, ça peut, on peut, par le travail. Si vous voulez qu'on parle de vous, mais, si vous, voulez parle de vous, mais rentrez en une bosse, dites aux gens, nous faisons des vidéos pour vous bien, faites des choses qui sont positives. C'est en faisant des choses positives qu'ils vont parler en bien de vous. Ce n'est pas en dénigrant les autres, en ayant des sales gueules, des sales bouches sur vos propres frères activistes que les gens vont vous regarder parce que les, 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 les internautes, ils seront agacés de votre comportement bandécon. Arrêtez de nous minimiser. Arrêtez d'être Arrêtez de ne pas être professionnel. Vous n'êtes pas professionnel. Aucun d'entre vous qui vous clashez sur les réseaux sociaux là, aucune, un aucun ne va vous, ne va vous appeler pour venir faire quelque chose pour vous. Parce que vous aimez trop les histoires. Vous n'êtes pas professionnel. Vous êtes des plaisantés. Quand on veut être professionnel là, ce côté, ce côté bestial, on ne montre pas ça sur les réseaux sociaux parce que tout le monde vous regarde. Tout le temps vous vous clashez. Vous n'avez pas honte? Arrêtez de vous clasher. Toujours, je vous dis, s'il y a un problème, mais voyez-vous en une box. Ne vous parlez pas mal. appelez Il y, y a Messenger. Pourquoi Dans Messenger, là, parlez-vous mal et puis c'est tout. Ça va passer une situation sur les réseaux sociaux que les gens vont t'aimer. Ça va passer as parlé mal, que tu as sale bouche là. Que les gens vont t'aimer. Ce n'est pas comme ça que ça se fasse. Hein? Ce n'est pas comme ça que tu deviens star. Hein? Ce n'est pas en parlant mal à ton frère, Sybéativiste, que tu deviens star. Ce pas comme ça. C'est n'est pas ton travail sur les réseaux sociaux. Pourquoi moi qui suis jeune là Pourquoi est-ce que les, les grands viennent me parler en imbos Moi qui suis petit cacaba. C'est vrai que je ne suis pas petit cacaba en âge, mais souvent les gens m'approchent, Lisa, il faut partager mes vidéos, des tantes des États-Unis, hein, des grandes dames. Elles m'appellent Lisa, tout le monde m'appelle Lisa, Lisa. Mais c'est parce qu'ils sait me faire petit et puis ils de respecter les autres. Je n'ai jamais cité quelqu'un ici. Même si, bon, ce vrai je peux parler mal, mais bon, mais je, vraiment faire clash avec mes amis cyberactifs, si je vais les appeler en imbos. On n'est qu'à se respecter. Si vous continuez à faire les clashs comme ça, si, vous faites, vous, si on, est, on a notre groupe là et que vous venez dedans on ne va pas partager vos vidéos. Ça, c'est clair. Arrêtez de vous faire des clashs. Arrêtez d'être à gauche, arrêtez d'être à droite, arrêtez de ne pas savoir où, où vous allez. Si vous ne savez pas où vous allez, venez me voir. Moi, je vais vous mettre sur une direction. Vous allez aller quelque part parce que c'est souvent quand tu ne sais pas quand tu es dans un groupe que tu ne sais pas ce que tu fais bien tu n'es pas ça veut dire que tu n'as pas de créativité tu, tu n'es pas créatif et puis tu, tu sais, que tu vois que les autres avancent que toi tu n'avances pas que tu veux qu'on te regarde c'est ça tu fais les cloches tu veux que les gars soient sur toi tu veux que les gens soient pour parler de toi pour toi c'est comme ça c'est une satisfaction pour gagner pour gagner non ce n'est pas intelligent ça ce n'est pas sage ça ce n'est pas sage ce n'est pas en faisant des, des vidéos de dénigrement de tes frères cyberactivistes que tu deviens célèbre ou bien tu deviens star. Il y a certains internautes là, ça les agace. Les gens, des gens, ils ont des problèmes. Et toi, tu viens parler d'un de, de, autre cyberactiviste. c'est ça, ça le combat, là. Tu dévis le combat de la souveraineté, là, pour personnaliser ça, pour, sujet, pour, faire, une sujet, pour faire une subjectivité sur un autre cyberactiviste. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Des pères, des mères de famille, quand vous parlez à l'audience, parlez-le avec respect. Ce sont des papas, des mamans qui prennent leur temps pour nous regarder. Et puis vous vous clashez comme ça. À chaque fois qu'on fait parler, il y a des noms qui ressortent toujours. Première fois, votre nom est sorti. Deuxième fois, troisième fois, votre nom va sortir. Quatrième fois, là, on va vous écarter. C'est clair. On se connaît tous sur la toile. Là. On a un groupe, on a des groupes secrets, privés. On va vous écarter. Vous faites vos postes, on ne regarde pas. On s'en fout. On ne sait pas dans quel combat vous êtes, mais nous, on ne va pas vous reconnaître. C'est de ça qu'il est la question. Donc, si vous voulez arrêter de faire les clashs, arrêtez. Faites des vidéos pour dire aux gens ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Ou bien faites des vidéos pour dire que Ouattara n'a qu'à arrêter de, 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 de faire ces trucs-là. Il n'a qu'à libérer nos, nos papas militaires. C'est des vidéos comme ça qu'on veut. Vous faites que les gens du RHDP prennent nos vidéos pour aller faire des montages pour se moquer de nous. Comme si nous étions des enfants, alors que nous sommes dans notre sérieux. Nous ne sommes pas dans l'enfantillage. Arrêtez de clasher vos frères cyberactivistes. Hein? Cette vidéo, je pourrais faire ça pour la politique, mais j'ai oublié de parler de, pour vous, pour dire vos noms. Comme ça, vous êtes satisfait. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? J'ai plein de choses à dire sur le thé du président Boulogne-Bagbo. Mais je suis obligé de prendre cette... pour faire vidéo. Pour vous dire de laisser la gospel Kofi en paix. Laissez cette dame en paix. Elle a des enfants. Elle a une famille. Fichez-lui -le, le camp. Si elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, rentrez en une box. C'est votre sœur. Rentrez en une box. Dans une famille, quand le, le linge est sale, on le lave en famille. Arrêtez de venir divulguer les informations de vos amis sur la toile. Ça ne rime à rien. À cause de ça, elle est obligée de, de faire des, 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 des arrangements, c'est-à-dire des, des, oui, des concessions pour changer d'appartement, de, de quartier, etc. Et ça, vous mettez sa vie en danger. Après, vous allez lui dire rup, rup, rup. Mais cela ne va pas l'arriver. Vos projections, hein, au nom de Jésus, ça ne va pas lui arriver. Il dit bien, ça ne va pas lui arriver. On ne souhaite pas le mal pour quelqu'un. On ne soit pas le mal pour quelqu'un. La gosse Kofi, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Hein. Une fois, j'ai fait une vidéo, il y a peut-être un an de cela, où elle avait été menacée parce qu'elle faisait, elle était dans le combat. C'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle dans l'activisme, mais elle a fait ses preuves. Hein. Elle a fait ses preuves. Elle a été déjà menacée une fois. J'ai fait une vidéo il y a longtemps. C'est elle-même qui me l'a rappelé. Et qu'une personne lui a envoyé cette vidéo-là. Et c'est comme ça qu'elle m'a connue. Je viens témoigner ici. Je viens testifier que j'ai fait une vidéo pour elle il y a, y, a, y, a, y, a, y a longtemps. Pour la Gostina Kofi. Donc ça fait la deuxième fois qu'elle est menacée comme ça. Attention, hein. Il dit bien attention. Si vous menacez les cyberactivistes-là, on va prendre vraiment des sanctions contre vous. On va porter plainte contre vous. Laissez cette femme en paix. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Fichez-lui le camp. Laissez-la faire sa gamme. Vous aussi faites votre gamme. On va vous soutenir aussi. Il n'y a pas de jalousie dans l'activisme. Il n'y a pas de jalousie dans le cyberactivisme. Il n'y a pas de jalousie dedans. Il n'y a pas de trahison dedans. On est tous ivoiriens, on est tous des frères et des sœurs. Arrêtez de jalouser les autres, arrêtez d'embêter les autres, arrêtez, de, 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 prof, de, de, de gâter le travail des autres. Faites pour vous, on va, on va, on va, on va partager. Il n'y a pas de jalousie dans le dans cyberactivisme. Non. Faites vos postes, soyez créatifs, créez, faites des poèmes, euh, faites des, des éloges, faites des trucs, valorisez vos frères, appréciez-les, vous allez voir que ça va, vous a, va, ça va vous aider, ça va vous lancer. Soyez gentil, soyez agréable avec les autres. Quand tu es agréable avec les autres, les autres seront agréables aussi avec toi. Mais quand tu es amère avec les autres, les autres seront amères avec toi. Ça, encore, Lisa va venir vous dire ça. Aïe. Vous n'avez pas pitié de moi. Toujours, vous voulez que je vous parle. Quand même, vous êtes des grandes personnes, vous êtes des papas, des mamans. Moi, les internautes, je les respecte. Hein. Je ne viens pas raconter des, des, des bobas. Je, 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 je les respecte. Parce que sans eux, je ne suis rien. Vous voulez que votre audience vous suive. Et puis après, vous venez clasher d'autres cyber-activistes. Qu'est-ce qu'ils vont penser de vous Vous êtes autant palabreux comme ça Si vous dites que vous êtes palabreux, allez-y enlever Alassane. Ou bien allez-y, fermer le truc des gens. Bimal, allez-y enlever ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà, merci mon frère Julie. Julie vient. Ok. Et donc, il y a une personne qui me dit aussi que si jamais toi, un cyberactiviste aussi, si les gens t'attaquent trop là, et puis ça c'est vrai, je te dis merci Julie, Julie V, il faut savoir que dans le activiste ou bien dans, sur les réseaux sociaux, là, si on t'attaque trop là, c'est parce que tu es sur le bon chemin. C'est parce que tu es en train d'avancer. Donc, il ne faut pas toujours répondre au tic, du tic au tac. Parce que quand tu réponds du tic au tac là, ça te diminue un peu. Tu peux répondre une fois, mais pas deux fois, trois fois. Quand tu réponds deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça agace même ton audience. Et puis, quand c'est comme ça, on dit que c'est toi qui es mauvaise. Ou bien tu es mauvais. Donc, arrêtez d'attaquer les autres. Arrêtez aussi de les répondre. Arrêtez de répondre, de répondre. Arrêtez. Si on t'attaque, tu peux répondre une fois et puis c'est tout. Et puis tu regardes ton objectif. Ça veut dire que tu fais tes vidéos. Ou ton objectif, tu veux que ton objectif soit. Ou bien où, sur ton objectif, Ça veut dire que tu fais des vidéos selon ton combat. Ou bien ce que tu parlais de, ou bien les, de, de, de ton audience. Ne réponds pas toujours aussi bien. Parce que quand tu les réponds, ils sont plus excités et tu fais leur promotion. C'est pas ce que Askeli a dit dans sa vidéo là, mais Hassan Walter n'était pas célèbre, mais le fait de dire non 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 non, ça l'a rendu célèbre. Et il a donné le conseil inverse à, à, à Monsieur Hassan de ne pas parler tout de Monsieur Gbabo. parce que c'est pas trop de présent Gbabo. ça le rend célèbre qui n'a qu'à le libérer de la prison. You know? Voilà, faites vu et ignorez. Merci Brouhan. Félicite ma soeur, sois la bienvenue. Exactement fait, vu et ignoré. Mais vous clashez comme ça, back and forward, ça dit, back, forward, back, ça dit que allez-retour, allez-retour, vous clashez là. Ça vous a donné quoi? Vous avez quelle coupe dedans? Quand vous vous clashez, vous voulez que vos autres amis vous défendent. Quand on vous défend, quand on dit ne plus faire, vous continuez. Ça veut dire quoi ça? Tout ça aussi, il faut que vous arrêtiez. Hein? Écoutez les conseils là. Vous voulez qu'on vous défende sur la toile, vous venez, qu'on vous défend on vous défend. Donc écoutez les conseils là aussi. Quand les, des personnes, des grandes personnes, des mamans, des papas vous approchent en imbo pour dire Ma fille, mon fils, ne faut pas te clasher il faut les écouter aussi. Vous avez oreille dure. Votre problème, c'est lequel Qu'est-ce qui ne marche pas Si vous êtes trop stressé aussi, arrêtez de faire les vidéos. Des fois, on ne se rend pas compte, mais quand on fait trop des vidéos de façon affilée... On peut être stressé. Donc, il faut arrêter les vidéos, il faut quitter les réseaux sociaux un peu, et puis après, tu reviens. On vous donne conseil, vous ne prenez pas. On ne sait pas quoi faire de vous. Hein? Votre là que vous faites, vous vous mettez d'autres dedans pour qu'on les cache aussi. Ça veut dire que vous partez chez là et puis vous voulez que les autres viennent vous défendre. On vous défend, vous n'écoutez pas. Toujours dans les clashs, c'est votre nom qu'on entend. Moi, je suis fatigué. Ça, je parle pour tous les cyberactivistes. Parce que demain, quand on va vous clasher, puis allez chez les palables, et quand on va vous clasher, personne ne va vous défendre. Ne venez pas pleurer pour dire qu'on ne vous aime pas. Hein. Ne venez pas pleurer pour dire qu'on ne vous aime pas, que vos frères s'y si battent, vous ne vous aimez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Coucou, salut. Salut la grande soeur Viviane est, je te, je te fais de gros coucou. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Ne pas toujours répondre. Betty, Betty Kuo Otier a dit, ne pas toujours répondre. Merci pour les conseils. Ne pas toujours répondre, vu et ignoré. Focalisez-vous sur votre but. Ne regardez pas tout, toutes, les, toutes, toutes les publications. Ne, 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 ne répondez pas tout le temps. Tu réponds une fois, si tu es trop énervé, tu réponds une fois et puis c'est tout. Moi, ça fait près de 6 ans, 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Il y a une seule personne qui m'a clashé. Il y a une seule personne qui m'a clashé. La seule personne qui m'a claché, c'est Makoso qui m'a clashé. Il est le seul. Et puis après, il y avait Don Giovanni, mais Don Giovanni, c'est autre chose. Il m'a clashé parce que j'avais fait une vidéo qui a eu 400 000 vues. Vous me comprenez, les, les frères ivoiriens Parce que j'avais eu fait une vidéo au hasard, comme ça, je ne savais pas, qui a fait 400 000 vues. Sur Arafat. Ça connaissait ça, ma cause, ma clashé, Mais quand je l'ai pris là, je n'ai plus entendu parler de moi dans la bouche de ma cause jusqu'à aujourd'hui. À part ça, personne ne m'a clashé encore. Parce que je ne vais pas chercher par là aussi. Je regarde à mes yeux et puis j'avance. Parce que moi, je n'aime pas les histoires. Je n'aime pas provoquer les gens. J'ai trop de choses à faire. J'ai d'autres choses à penser que de faire les classes sur les réseaux sociaux. Ça me donné quoi? Ou bien pour dire que je parle mal, ou bien que j'ai une sale bouche, je parle mal aux gens. Ça va me donner quoi Ça va me diminuer au contraire. Je me mets, merci, merci Brouhane, Félix, se mettre à, à la hauteur. Ne pas répondre, c'est se mettre à la hauteur. Merci pour les conseils, les grands-sœurs et les grands-frères qui sont là. Ne pas toujours répondre, ça, ça met à la hauteur. Demain, vous serez les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Et puis vous faites pas là comme ça. Qui va vous, qui, qui vous allez diriger quand je dis dirigeant, vous pouvez être député, maire, etc. Un maire, un député qui a un passé de bagarre, qui va te prendre Tu vas, tu vas, tu vas diriger quelle mairie Tu vas administrer quelle mairie t es tout le temps dans les clashs. Tu réponds à tout. Tu quoi tac Et nous qui avons fait les vidéos depuis longtemps où on nous clashait, où, où, où les Marocains me clashaient. La nuit, j'ai mille, 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 mille commentaires. Comment vous allez faire Comment vous allez faire Donc, voilà, la force tranquille est là. Soit salué, la camarade, ma fleur. You know Il ne faut pas toujours répondre. Il ne faut pas toujours répondre. Parce qu'ils vont te one out, c'est-à-dire qu'ils vont t'épuiser. Ils vont t'épuiser en répondant tout. Tu réponds une fois, puis tu ne réponds plus. Soit c'est ton objectif. Si les gens te clashent trop sur les réseaux sociaux, c'est que tu es sur un bon chemin. C'est que ce que tu fais là, c'est bon. C'est pour ça qu'on te clash. C'est pour ça qu'on te clash. La plupart du temps, c'est comme ça. Ils s'en mettent chez eux à la maison et ils clashent les autres. Moi, je vous ai tout dit. Le truc de cyberactiviste, il faut faire des... S'activité, ça dit, il faut faire, il faut ce, il faut faire la différence, c'est tout. Arrêtez d'être sorcier. Arrêtez de, de vouloir tuer les autres. Ou bien de prendre les toits des autres. Ou bien de ne sais pas quoi. Moi, vous voyez ce que vous voyez. Mais arrêtez de arrêtons de nous clasher. À tout à l'heure. Arrêtez de vous clasher. Vous êtes des papas et des mamans. Vous êtes des mamans, des, des mères de famille, des pères de famille. Arrêtez de vous clasher, de vous diminuer sur les réseaux sociaux comme ça. Arrêtez. Arrêtez d'embêter la Gossine Kofi. La Gossine Kofi n'est pas votre cible. Votre cible, c'est Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara. Et c'est ce qu'on dit. On dit que quand. Euh, euh, quand, quand, quand on te clash trop bien, quand tu es su, mais bien, tu es, su, es stressé là. Il ne faut pas toujours répondre. Sinon, les gens, vont pas, on va dire que c'est toi qui aimes le palabre. Alors que tu n'aimes pas le palabre. On veut te provoquer. Or, le but, c'est de te provoquer pour que tu répondes, pour que tu sois fatigué, c'est-à-dire pour t'épuiser. On est nombreux sur la toile. On est très très nombreux. Comme cyberactivistes, nous tous, on est dans le combat du, de, de la Côte d'Ivoire. Donc, si souvent on, 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 on est en inbox, e on donne des petits conseils, écoutez. Parce que après, ne dites pas que non, vos frères ne vous défendent pas, etc. Non, ça fait mal. Ça fait mal que, que d'autres se mouillent pour vous-même, et puis après, vous dites qu'on ne reconnaissez pas. Soyez reconnaissants aussi. C'est la même chose. Tout ce que moi j'aimerais dire, c'est de rester tranquille. You know, c'est de rester tranquille, de, 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 de mettre bas la terre, de mettre de l'eau dans notre vin. Et puis, on avance. Je vous en prie. Coucou, salut mon chéri. Eric Liri, j'espère que tu vas bien. Exactement. C'est ce que j'ai dit à tout le monde ici. Ton adresse a été révélée et ce n'est pas une bonne chose. Celui qui a fait ça, faut il faut dès peu qu'il recommence. Parce que si c'est la deuxième personne qu'on révèle son identité comme ça, ce n'est pas bien. N'allez pas jusqu'à ce point-là. Parce que si vous révélez son adresse, c'est que les adversaires, les méchants... La guette quelque part et quelque chose lui arrive, c'est pas bon. Ça fait la deuxième fois que vous faites ça à cette dame. Arrêtez maintenant. Ça suffit. Parce que si on faisait pour vous et qu'on guettait vos enfants à la suite de l'école, vous ne serez pas contents. Donc arrêtez d'être sauvage comme ça. Arrêtez d'être bestial comme ça. On dirait que vous n'êtes pas des ivoiriens. Exactement. Il y a des personnes quand ils n'ont pas de vue, qui n'ont pas d'audience. Ils font toutes ces bêtises-là pour qu'ils aient des vues, pour qu'on parle de leur nom, pour qu'on qu qu mentionne leurs noms, pour qu'on on, on dit qu'ils existent. Cette manière d'exister, ça, vous allez faire ça combien de temps Hein? Si vous voulez, si vous voulez avoir les vues, venez me voir, je vais vous montrer comment on fait pour avoir vues. Et je vous dis ça tout le temps, c'est de travailler, c'est de faire des vidéos, c'est de faire des partages, c'est de vous approcher des de, 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 de gens et puis faire des activités sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir des vues. Il faut un peu de patience, mais on peut y arriver. Je dis toujours ça. Tu as les vues, est-ce que tu gagnes là-dedans Tu peux même commercialiser tes pages. Il y a plein de choses que de faire des histoires inutiles. ou des grandes personnes, vous des papas, des mamans. Celui qui a me mes clashs là. Ceux qui vont venir sur là, ils vont pleurer même. Donc, moi là, on ne me clash pas. Hein. Moi, je vous donne conseil. C'est conseil, je vous donne. Moi, mon clash, ce n'est pas à vous. a fait ça à nos papas politiciens. Comme leur union, c'est moi, mon clash. Ou bien Nadia. c'est elle qui veut clasher. C'est elle qui m'intéresse. Ce sont eux qui m'intéressent. Celui qui me à c'est cadeau. Au contraire, mais il est bien me sapé puis il est venu me moquer de toi encore. Donc, ce n'est même pas la peine de me clasher. Hein. Si vous me clashez, je pas vous répondre même. On m'a déjà clashé tout dernièrement sur les réseaux sociaux. Hum, Est-ce que vous avez entendu rien? Mmh. Exemple, moi, je dis même pas de vous. Vous n'êtes pas. Je ne vous regarde même pas. J'ai trop de hauteur pour ça. La première qui m'intéresse, c'est Ouattara. Euh, la vieille. La vieille, leur Mais c'est que quand je, elle, je la classe, ça lui fait bien mal, même. Exemple, vous laissez, si vous me clasher, que je vous clash à ça ne va pas vous faire mal. Mais eux, là, quand je les classe, ça les fait mal. Donc, ce n'est même pas la peine de tenter. Et puis, vous sait que vous n'allez pas, pas le fait. Mais je vous dis tout simplement d'arrêter de vous clasher. Le combat n'a même pas commencé. Maman Simone, elle est partie là en voyage. On l'attend. Quand demain, il y aura quelque chose, s'il y a des bonnes choses que je sais et que vous clashez tout le temps vos frères, moi, je ne vais pas vous appeler. Je ne vais pas vous appeler. Vous voulez qu'on vous montre votre village à la main gauche hum? Donc, arrêtez de clasher vos frères cyberactivistes. Nous sommes tous frères et sœurs. Il dit bien arrêté. Ça ne paye pas de clasher les autres. Vous ratez la cible. La cible, ce n'est pas les autres. Chacun a sa page Facebook, sa page YouTube, sa quoi, 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 quoi. Faites des publications dessus. Cherchez des informations. Faites des recherches. Faites de belles vidéos. Faites des hommages. Faites des, 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 des trucs. Les gens vont aimer votre page. Soyez gentils. Soyez adorables. Les gens vont vous aimer. C'est pour ça qu'on appelle, on appelle la toile. C'est pour ça qu'on appelle la toile. Une toile, c'est une toile d'araignée. Il y a beaucoup de branches dans une toile. On appelle ça net. Net, ça veut dire en anglais filet. C'est un filet qui a beaucoup de, de, de branches. Donc, il y a l'audience pour tout le monde. Il y a l'audience pour tout le monde. Ce qui fait que vous, entre vous, c'est parce que Certains clashent, d'autres, c'est parce qu'ils ne sont pas créatifs. Quand l'autre crée beaucoup, eux, ça les dérange. Mais créez. Combien de fois je vais vous dire de créer Créez quelque chose. Faites quelque chose. Actuellement, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me, qui, qui me suggérer quelque chose. On va partager ça pour tout le monde. On va partager pour tout le monde. C'est comme ça qu'on. Les idées, là, ne gardez pas ça pour vous. Au lieu d'avoir des idées de clash, là, ayez des idées pour profiter à la Côte d'Ivoire. Et puis pour faire moins d'histoires. Vous n'êtes pas fatigué de faire les histoires. Vous avez fait les histoires. On allait danser à la EK. On est fatigué. On ne nous, nous a même pas regardé là. Encore sur la tombe. Vous êtes venu faire palabre encore. Vous, vous mangez que palabre, quoi. Exactement. Betty. C'est de la méchanceté. Prendre l'adresse de quelqu'un et puis divulguer ses russes, ce n'est pas bien. Et résumé que c'est l'adresse seulement. l'adresse on peut changer de maison. C'est pour ça aussi, il faut arrêter de, de vous familiariser trop aux gens. Ça, c'est un autre conseil. Arrêtez de vous familiariser tout celui-là, mon frère, celui-là, ma soeur, celui-là. Ne vous familiarisez pas trop avec hein, les internautes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une distance. Il ne faut pas que vous soyez trop prosmatiste. C'est-à-dire que protégez-vous vous-même. Pro sachez vous protéger. Protégez vos enfants, protégez votre famille. Protégez tout. Moi, avant de venir sur les réseaux sociaux j'ai pensé à tout cela. Il j'ai pensé à tout cela. Il faut vous protéger. Il y a des gens qui, qui viennent vers vous là. C'est pour vous casser demain. C'est pour vous engloutir demain. Protégez-vous. c'est pas tout le temps dire que cela mon frère, cela mon oncle, Quand ils disent ça, tout ça, les gens peuvent, te, peuvent regarder bien tes informations et puis aller attaquer ton oncle ou bien ta tante ou des choses. Protégez-vous. Depuis que vous, je fais les vidéos, vous me connaissez Vous ne me connaissez pas. Peut-être que je suis un fantôme, mais vous ne savez pas. Peut-être que je suis un revenant, mais vous ne savez pas. Il faut vous protéger, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on en veut à Nadi. Le fait qu'elle ait dit à l'exacte de, de faire ce truc-là, maintenant, ça, ça a pété dans ses yeux. Ça a pété sur elle. Maintenant, elle, 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 elle se cherche. Elle était bien dans son coin. Avec, ils ont fait le truc-là. Nous, on ne sait rien. Ils sont venus mettre sur la toile. C'est pas ça qu'on ça a pété dans ses yeux-là protégez-vous les Ivoiriens, protégez-vous les activistes. Ne venez pas parler de vos enfants, ne venez pas... Est-ce que vous connaissez moi mon anniversaire Mais vous ne le connaissez pas. Je m'en fous, je ne dis pas. Ce n'est pas ça, pas ça le, le leitmotiv de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas mon anniversaire. S'il elle a monté quelques photos, bien des trucs, c'est tout. Et puis qu'il y a monté les gens, ce sont les gens, les gens qui sont grands, grand. vous ne pouvez jamais aller les attaquer. Allez-vous même les attaquer. C'est de ça qu'il est la question. Les réseaux sociaux, il faut se protéger. Les soeurs et les frères. Il ne faut pas divulguer la photo de ses enfants, euh, les, ses informations. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas. Il faut mettre une certaine distance entre vous et le virtuel. Mais si vous, ce qui est virtuel, vous venez dire tout ce qui est réel là dans le virtuel, mais les gens vont vous retrouver. Les gens peuvent vous géolocaliser. Apprenez bien, apprenez bien le Facebook et apprenez les choses que vous pouvez faire. Il faut le faire. Coucou, salut, maman Moulo. Comment tu vas, ma maman chérie? J'espère que tu vas bien. J'espère que ta semaine se passe très, très, très bien. Je t'aime très fort, maman Moulo. Hum? Donc, euh, c'est ce petit conseil-là que je voulais vous donner. C'est ce conseil que je voulais donner. Je n'ai pas la science infuse. Il dit, je, je n'ai pas la science infuse. Mais c'est ce que je voulais partager avec vous, mes frères et mes soeurs cyberactivistes. Protégez-vous. You know, mettez moins de proximité entre vous et les gens. Et même avec les cyber, entre nous-mêmes-là. Protégez-vous toujours aussi. Parce que on ne sait pas qui est qui. Ça après longtemps qu'on a fréquenté les uns et les autres qu'on voit que ce sont des bonnes personnes. Même des fois, quand on se fréquente les entre nous dans la réalité, ça, ça peut ne pas marcher. Donc prenez vos dispositions. Nul n'est à l'abri. Il dit bien, nul n'est à l'abri. J'espère que vous me voyez bien. Il n'y a plus de soleil. Même non, là, le truc là de l'autre côté, ce pas grave. Donc je vais vous laisser. Exactement. Il faut avoir du discernement. Il faut se protéger. Vous voyez, je suis venu allumer la lumière. Je fais très attention. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. D'accord. Il faut faire attention. Vous ne faites pas attention. Vous mettez vos, les photos de vos enfants, les photos de vos familles, les photos, vos noms, vos vrais noms. Vous mettez tout à disposition de, de Facebook. Mais il va prendre vos informations. Les gens vont prendre, les gens vont vous tracer. Hein? Vous faites des trucs. Prenez vos dispositions. Arrêtez de vous exposer trop. Déjà vous êtes activiste, vos visages sont déjà figés. Faites attention. Nous sommes dans un jeu dangereux. Vos enfants, votre mari, vos parents, faites attention. Ayez du discernement. Comme c'est que ma soeur, il euh, y a ma soeur chose qui me l'a dit. You know? Ayez du discernement. Et puis aussi accepter les pardons. Quand les autres viennent vous demander pardon, acceptez. Si la personne dit, bon, je me suis trompé, je demande pardon, acceptez le pardon et puis on passe à autre chose. Ne gardez pas rancune. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous tous là, c'est en Côte d'Ivoire, on va aller nous enterrer. Donc, ça sert à quoi de faire quand qu'on est à l'étranger Ça sert à rien. Donc, arrêtez les clashs. De toute la façon, après, là, on se retrouver en Côte d'Ivoire, nous tous. Donc, arrêtez de faire les clashs entre vous. Écoutez vos frères cyberactifs. Si vous voulez qu'on vous défende, écoutez-les. Des fois qu'on dit Ah, on a l'impression que tu es, tu, tu, tu es stressé, repose-toi, on te soutient. Ou bien si tu as quelqu'un qui est décédé, si tu veux qu'on t'aide, tu dis ça aux autres. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe dans ta vie. Donc tu peux dire aux autres L'autre va dire à l'autre, et ainsi de suite. Et puis on va faire des petites cotisations. On va te donner tout ça. Non On est prêt à s'entraider. Moi, c'est le message que je veux passer. On est prêt à s'entraider. Si moi, je sais, je vais dire ça à, à la grand-soeur Naomi, ou bien je vais dire ça à, à Balouna Balou, ou bien à, 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 je ne sais, nos frères cyberactivistes. Et puis, eux, ils vont dire Oui, d'accord, Lisa, ou bien comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on fait. Moi, tout ce que je n'aime pas dans quelque chose, c'est palable. Je n'aime pas ça. Parce que dans palable, tu ne peux rien obtenir. Tu ne peux, tu ne peux pas y arriver. J'aime toujours prendre du recul. Et puis. Même si j'ai fait parlable une fois, après, je me ressaisis. Parlable, ça n'envoie nulle part. Clash, ça n'envoie nulle part. D'accord Parce que si vous faites trop parlable, je vous ai tout dit, si vous faites trop, trop palabre, là, moi, je ressens vos noms. Quand il y aura des choses, je ne vais, vais pas vous mettre dedans. C'est-à-dire que si moi, je sais qu'on m'a approché et qu'on m'a dit, Lisa fais ça, fais ça, 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 les gens qui aiment palabre, là, vous n'y serez pas dedans. Moi, je vous ai tout dit, il dit ça. Après, ne dites pas que Lise est méchante ou bien Lisa est mauvaise. C'est comme ça, il a dit au président Langbabo, il Une qu'à juger affaire de Mme Simone. J'ai dit, papa, il faut faire, papa, il faut faire. Vous dites que non, je suis trop petite, que je suis un bébé. Vous ne m'écoutez pas. Quand demain, les gens ne vont, vont pas le supporter. J'ai dit, ah, Lisa a parlé, Lisa a parlé. Vous ne voulez pas dire qu'elle est petite, elle est, elle est coucou coucoubiti. Quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Hum. Quand on ne va pas vous mettre dedans. Ne pleurez pas, ne dites pas que Lise est méchante. On travaille tous pour la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de vous clasher. J'espère que le message est, you know, est, est, est passé. Parce que je sens que je suis en train de me répéter. En conclusion, je dirais, la force tranquille a été déjà. Elle était déjà menacée. Elle a été déjà menacée une fois. Dans le, auparavant, j'ai fait une vidéo. Ou dit qu'ils n'ont qu'à arrêter de l'embêter. Aujourd'hui encore, c'est son adresse qu'on met sur les réseaux sociaux. Fichez-lui le camp. Il est bien fiché cette dame en paix. Laissez-la comme ça. Laissez-la dans son, la, la fosse tranquille comme ça. Elle n'a qu'à faire sa gamme. Vous aussi, faites pour vous. Si elle a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, approchez-la. C'est votre propre soeur. Cyberactiviste en plus. C'est faire quelque chose qui vous plaît et que vous voulez faire comme elle aussi, approchez-la. D'accord? Approchez-la. Je veux aussi dire à mes frères, les durs. Vous les dieux, je vous aime aussi. Je dis bien, je vous aime. Surtout Lilewin. Sur Liliwe, j'aime Liliwe, j'aime ma soeur Marie Tabo. J'aime aussi Aïle Mais je vous en prie, les durs. Je vous demande pardon. Je vous en supplie, ne répondez pas toujours à ceux qui viennent vous provoquer. S'il y a des gens qui vous ont provoqué, je vous en supplie, ne faites plus pas l'âme. Vous voyez que je partage vos vidéos. Hein? Quand vous faites quelque chose, je, je, je vais sur votre page pour voir s'il y a des choses. Même à ma soeur Marie Tagbo, pour les enregistrements, pour, pour le dénigrement de maman Simona. Moi-même, j'ai fait un voice elle me l'a dit qu'elle allait après republier ça, mais peut-être qu'il y a eu peut-être plusieurs choses elle n'a pas pu. Donc, elle n'a pas pu publier euh, celles que j'ai fait en langue, mais ce n'est pas bien grave. Il y a une dame qui m'a contactée depuis les États-Unis pour me dire qu'elle, son truc en langue, ils n'ont jamais publié ça. Et donc, elle me l'a donné, moi mais j'ai publié. Vous voyez Ce n'est pas tout le temps que les gens ont du temps pour faire les choses. Ce n'est pas pour autant que j'en voulu à ma soeur Marie-Jeanne. Marie Et je ne lui ai jamais dit ça. C'est dans cette vidéo que je vous dis. Donc toujours, on peut s'arranger. On peut s'entendre. Ce n'est pas tout le temps en train de faire les palabres. Et donc j'espère qu'on s'est compris. Et que j'espère que maman arrive. J'espère que quand on va faire quelque chose pour maman, il n'y aura pas encore clash. Ou bien actuellement, elle fait des trucs de bleu goudé, il y a clash. Je ne veux plus qu'il y ait des clashs. Si, je sais que je ne peux pas arrêter ça, mais si vous faites des... Au fur et à mesure que vous faites des clashs, là, je note, je mets des traits. Vu que ça fait des carrés. Si ça fait 10 clashs que je vois que vous êtes des palabreux, là. Vous faites votre truc sur la moins Moi, Lisa, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans votre affaire. Et bah, moi, je n'aime pas palabre. Et puis, ne m'appelez pas, ou bien ne me voyez pas en e-box. Je n'ai pas à répondre. je vous bloque. C'est de ça qu'il est question. Donc, si vous voulez qu'on fasse le truc là, ensemble, là. Et puis aussi, sachez qui vous, vous suivez. Parce que ce que je constate aussi, c'est que... Il y a certaines personnes qui sont blégoudéistes, c'est-à-dire qui suivent blégoudé comme leur leader, mais ils aiment Maman Simone. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que nous sommes, à, on a des alliances. Donc, si on fait vos vidéos, Lisa peut les partager. les Yvetis les, les veulent les partager. Il y a des gens qui supportent seulement Yvet, mais qui ne supportent pas euh, blégoudé. Ça aussi, c'est possible. Ça veut dire que nous sommes en alliance. On peut se partager entre les vidéos. Entre nous, les vidéos. Ou bien, il y a des gens qui peuvent supporter le président Gbagbo mais ne pas supporter euh, maintenant madame, madame Simone ça aussi pour certains ils peuvent être alliance avec euh, peut-être les gens qui supportent Blé Goudé ou bien pour supporter Simone vous voyez un peu comment ça fait c'est comme ça que moi je vois la chose donc on peut ne pas avoir le même leader mais parce que notre leader vous ne supportez pas mon leader mais vous aimez peut-être quelqu'un d'autre que j'aime on peut faire alliance et partager entre les vidéos c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe. Parce que deux fois, il y a le leader de l'autre qui a un événement. Et puis, autre, les autres, votre leader n'a pas d'événement. Et puis, votre leader, peut-être qu'il est en détresse ou bien il a des problèmes. Et vous voulez vous retrouver aussi dans le groupe dont vous venez nous aider en renfort. Ou bien vous venez aussi parler pour notre leader. Ça aussi, on reconnaît. C'est comme ça. Mais sachez bien cadrer ça dit, sachez bien cadrer votre combat. On ne peut pas être partout. Et nulle part. Ça dit que si tu es parti, tu peux ne pas être nulle part. Moi, comme ça, là, pour être honnête, moi, je ne suis pas gore. Je n'ai jamais été gore. Moi, je suis pro bagbo Et je suis pro-Côte d'Ivoire. J'ai toujours clamé ça sur la toile. Mais à ce moment où je vous parle, là, je suis en train de virer plus à être une Eivetis, c'est-à-dire Simone. Parce que moi, je vais anticiper un peu ce qui se passe avec le parti de mon papa. Moi, je ne comprends pas encore. C'est quand j'ai bien compris là, que peut-être j'ai redevenu pro-babo encore. Mais moi, je ne suis pas gore. Mais si jamais je suis gore, je suis gore modéré. Je ne suis pas babo ou rien, non. Je ne crois pas, je ne crois pas à cette philosophie-là. Je ne crois pas à ça. Donc, euh, je suis simoniste ou bien évétiste. Je défends aussi Bleu c'est-à-dire que j'approuve, je, 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 je suis sympathique aussi du combat du Bleu Goudé. Parce que objectif, moi, mon objectif, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Dans tous les politiciens qui veulent la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ils peuvent avoir, je peux être fan d'eux, même du président, euh, du président Bédié. J'ai partagé les vidéos de, de, du PDCI. J'ai supporté à cause du président Bédié, j'ai pas eu pleurer une fois dans une vidéo. Parce que M. Alassane Mata partait le prendre. J'étais devenue malade, j'étais devenue folle. Par la grâce de Dieu, rien ne lui est arrivé. C'est comme ça que moi je suis. Donc, euh, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que mes frères cyberactifs, vous allez partager cette vidéo-là à gogo, -go, You know? Et puis mes, mes abonnés, mes fans, que j'adore, je vais leur dire coucou avant de partir comme d'habitude. Je vais leur faire les gros coucou d'abord. Et puis, on va se laisser. Alors, je fais un coucou à. Alors, je fais un coucou à Toali. Gypsy. Je te fais un gros coucou, Toali. Je fais un coucou à Paul Roger. Je te fais de gros coucou. Bintou Ouantini, ma soeur chérie, je te fais de gros gros coucou. À Fils. De ses ancêtres. Je te fais de gros gros coucou. Je fais coucou à Salah Ouattara. Coucou. Salah Ouattara, ma, ma soeur. J'espère que tu vas bien. Tu as un gros coucou de d'Elisa. Je fais gros, gros coucou à René. René, ma copine, ma grande soeur. Je te fais de, un gros gros coucou depuis les États-Unis. Je fais de gros coucou à Kokoni Inda. In, in Je te fais de gros coucou, mon frère. Okay. Alexandrine, montage, je te fais de oh mais ça c'est un féticheur oh toi aussi hein. arrête pour toi là, ma... ma soeur Alexandrine euh, qui encore je fais de gros coucou à ah, mm -hmm, maman Moulo Morissette je te fais de gros 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 coucou et aussi à Betty Betty Kouhou Otier je te fais de gros 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 coucou Grande sœur Betty. Et puis à DJ euh, Gangpa, je te fais de gros gros coucou à ma fleur la force tranquille. Je te fais de gros gros coucou à mon chéri Eric Liri, <laughs> Ça c'est mon chéri. Hein. Je te fais de gros gros coucou. Il peut pas refuser le coucou. Je fais coucou à à, à la grande sœur Viviane. Ça y est la victoire. À Julie 20, je te fais de gros gros coucou. Oh, les féticheurs, vous êtes trop sur ma vidéo, il y a quoi même Et puis aussi à Brouhan, félicité, Je te fais de gros, 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 gros coucou. Je vais vous laisser maintenant. Je pense que j'ai assez fait les coucou. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver bientôt pour euh, le décryptage de tous les discours du président Laurent Gbagbo. Lisa n'est pas contente. Donc... Euh, le, la température va monter à cette vidéo-là. Et puis encore, j'ai vu une autre vidéo. Ça encore, ça m'a découragé encore plus. Il y a beaucoup à dire. Et donc, je vous fais bye bye et à très 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 bientôt. Je vous aime. Bye.